Du coup, les gars, là, je suis arrivée à Vicha Angostura, ça s'appelle. C'est une ville à côté de Bariloche. Et du coup, je suis avec des Français que j'ai retrouvés ici via Internet. Enfin bref, trop long. Allez. Sur un des lacs, un très 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 grand lac qui s'appelle Nahuel Huapi. Et celui-là, on le voit de Bariloche. Enfin, en fait, selon l'endroit où on est d'un côté du lac, genre. Mais il est super grand. Il est immense. Il fait trois fois la ville de Buenos Aires. Du coup, déjà que Buenos Aires, c'est super grand. Imaginez-vous. Voilà! Du coup, là, on s'est encore posé dans un point de vue. Et celui-là, il est trop beau parce que tu as les montagnes d'un côté. Là, je suis un peu. Vous pouvez pas bien les voir de là où je suis. Et tu as un peu une rivière et tout. Du coup, on va manger là. Et c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Tu as un peu de tout en fait. Vraiment un peu de tout. Voilà. J'ai envie de pleurer, mais j'arrive, ça sort pas. Mais genre, c'est un truc de ouf. Sincèrement, me dire que je suis à l'autre bout du monde en train de vivre ça, genre là, je suis entourée de la cordillère des Andes autour de moi. Je vous souhaite de vivre ça, je vous souhaite de vous donner les moyens de vivre des choses pareilles parce que c'est trop beau. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je vais me mettre là. Oui, du coup, aujourd'hui, le programme, c'est total improvisation. Du coup, on sait pas trop ce qu'on va faire, on va un peu au feeling, mais ce qui est sûr, c'est que on doit aller voir le volcan Lanine. C'est un volcan super réputé ici dans la ville. On doit aller voir certains lacs et des cascades. Du coup, quel jour on fait quoi, ça je sais pas trop. Mais là du coup là on va en ville pour retirer un western pour moi. Et ensuite je pense qu'on va aller c'est quel animal ça. Je pense qu'on va aller se poser pour une empanaderia parce que ça nous donne très envie. Et ensuite on va aviser. Voilà. Et pour aujourd'hui, pour une fois il fait beau, il fait pas trop froid. Du coup là j'ai un petit t-shirt simple, un col roulé au cas où, on sait jamais hein. Et outfit, mes baskets Air Force de base, un legging. Et c'est parti. Ok, du coup là, on est arrivé après genre une heure environ de chemin sinueux, les gars. Sinueux, clairement, si vous voulez venir ici. Et une voiture qui tient bien les chocs. Bref, nous, avec notre voiture, on avait chaud, on avait peur. Mais la guide de l'office de tourisme, elle avait dit que c'était faisable. Mais c'est mieux d'avoir une 4x4 ou quelque chose de plus balèze, des grosses roues et tout. En tout cas, sinon à part ça, du coup là on est arrivé
aux cascades Chachin. Juste là. Et on va voir ce qui se cache derrière. Je m'attends pas à Iguazu parce que Iguazu, je pense que c'est genre les meilleurs. Mais ça peut être quelque chose. Donc c'est parti. Du coup, les gars, je suis essoufflée. Je sais pas, ça fait combien de minutes qu'on marche, genre 10 ou 15 minutes, je sais pas. Mais du coup, on marche pour aller voir la cascade là. Et je pensais que ce serait une marche assez simple. Là, je profite parce que c'est plat, du coup, je filme. Mais les premières minutes, c'est hard. Hein. Le dénivelé, il est fou. Mon cardio. J'ai plus de cardio, j'ai plus d'endurance. Du coup, c'est chaud, compliqué. Mais bref. Je sais pas si vous pouvez entendre. Je vais me taire. Enfin, en tout cas, si vous entendez le bruit, c'est ce qu'ils appellent le murmure du fleuve Chachin, qui est du coup lié à la cascade. À la même cascade, quoi. Donc, c'est le bruit du fleuve. Allez, je repars dans mon périple. On est enfin... Elle est trop belle. On est enfin arrivé à la cascade de Chachin ou de Chichin. Je ne sais plus comment la prononcer. Moi aussi, je vais commencer mon maté là. Je vais tester le maté, la yerba comme ils disent. Mon petit maté, il est là avec l'eau. C'est parti. Première fois que je teste, j'ai trop peur parce que je sais que ça va pas être bon. Mais c'est pas grave, je suis un caïd. Je secoue pour que ça fasse une pente. Ok, là j'ai une pente là. Ça, c'est ma pente là. Faut que tu mettes plus d'herbe. Ah non, après ça va être dégueulasse. Non, non, c'est bon, attends. On va tester comme ça d'abord. Du coup, j'ai ma pente. Ensuite. Tu la mets droite? Je la mets droite. Faut le mettre doucement. La pente, elle s'est pété la gueule, non? Oui. Ouais, voilà. Faut que tu attends. Ok. Voilà. Droite. Là, tu la mets droite normalement. Ok. Là, ensuite, ta paille, tu la mets au sens opposé de la pente. La pente. Une initiation, mon gars. Ok. C'est bon. Et maintenant? J'ai renversé parce que je suis comme si. Maintenant, tu fais attention parce que ça brûle. Et je teste. Et tu testes. Ça brûle de fou. Ça va, hein. Petit disclaimer, c'était pas du tout comme ça qu'on préparait un maté. Mais c'était la première fois, donc pardonnez-moi. Mais maintenant, je sais comment on fait un vrai maté. Il faut beaucoup plus d'herbe que ça. Et beaucoup plus d'eau. Avec une partie sec et une partie mouillée. Voilà. Ça va, ça va, ça va. Je vais... Mais ça va. Non, en vrai, ça va. Je vais dégueuler. Je m'attendais à ça. Non, ça va. Je comprends pourquoi ça dit. Premier maté en bien. Alors aujourd'hui nous sommes je sais pas on est le combien, mais aujourd'hui c'est samedi. Là, aujourd'hui on va visiter le volcan Lanin. Donc là il doit être 11h30 ou 11h40, je sais pas trop. Et du coup c'est parti. Alors là les gars, je vous explique, on est au milieu de nulle part, dans le parc national Lanin.
et il y a une vue les gars. Comment vous dire? Comment vous dire? En fait, dans ce parc, il y a le volcan Lani. Un volcan qui n'est plus en éruption. Dieu merci. Parce que s'il l'était, on est tous foutus. Et genre, en fait, je vais vous montrer, mais c'est magnifique. C'est trop beau. En plus, c'est calme. Oh, purée. Bref, regardez tout de suite. C'était rien par comparé à aujourd'hui. J'en peux plus. Là, il n'y a que les montées de pierre. Je sais pas si vous pouvez voir. Je suis au bout de ma vie. Et j'ai envie de faire pipi. Tout ça pour une cascade. Ah. Ah. Fontaine, on vient de redescendre. C'était magnifique, vraiment trop beau. Je suis trop contente malgré la souffrance de l'avoir fait. Et les gars, si vous avez l'occasion de venir ici, enfin de venir à San Martín de los Andes, bah je vous conseille de venir faire ce. C'est à 2 heures un peu en voiture, mais venez en voiture. Hein. Clairement, venez en voiture, sinon c'est impossible. Et c'est top, 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 top. Donc là, bah, on se retape les 2 heures de chemin sinueux là pour retourner à la maison. Du coup, les gars, dès qu'on a quitté la comment s'appelle la cascade, genre quelques minutes plus tard ou genre 10 ou 15 minutes après être parti. On a crevé un pneu, ma phobie, c'est ce que je craignais et tout. Mais avec la voiture qu'on a, c'était sûr en fait, c'était sûr. Parce que le chemin, en fait, si vous voulez venir ici, sincèrement, je vous conseille de louer une 4x4 ou quelque chose en fait. Faut pas venir avec des voitures basiques parce que c'est chaud. Ils nous disent, les offices de tourisme, que c'est faisable. Et sur le chemin, on a vu d'autres voitures aussi, du même type que nous, qui l'ont fait. Mais par sécurité, sincèrement, prenez une 4x4 ou quelque chose, même si c'est plus cher. Mais au moins, vous vous retrouvez avec moins de stress. Là, par exemple, du coup, on a crevé un pneu. On nous a aidés. Il y a des Argentins qui se sont arrêtés sur le chemin pour nous aider à changer la roue. Parce que le système de changement, c'est pas pareil qu'en France. Mais du coup, le moral, il est un peu à bas. Mais sinon, ça va, faut rester positif. Et du coup, on va voir les coûts, le coût de la réparation. Mais en tout cas, voilà, là, on s'est arrêté parce qu'il y a le coucher du soleil qui est magnifique. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Personnellement, nous, bah, ça peut aller. Du coup, là, on est dimanche et on est à la recherche d'une solution pour notre roue qui est cassée. Parce qu'on doit rendre la roue, enfin, on doit rendre la voiture de location à Bariloche. Sauf que là, on est à San Martín de los Andes. Il y a environ 90 km qui les séparent. Pour vous donner une idée, ça fait au moins 4 heures environ. Du coup, c'est un peu compliqué. Là, du coup, on se dit, bah, on essaye. La personne à qui on a loué la voiture nous dit qu'on doit trouver une, enfin, qu'on doit trouver un moyen de changer la roue pour, avant de rendre la voiture. Sauf qu'on doit la rendre à 18h30, je crois. Et là, il est presque midi. Tout est fermé. On est dimanche. Du coup, le propriétaire de l'appartement qu'on a loué, il est venu et il est reparti avec un de nous pour. Pour aller voir, essayer de trouver une solution et tout. Du coup, nous, on attend leur retour. Et voilà. Et ce qui me tue dans cette histoire, c'est qu'à la base, ils étaient venus pour prendre les clés et tout.
voir si l'appartement était bien. Mais le gars, il est même pas rentré dans l'appart, en fait. Il s'est soucié de notre problème, alors qu'il pouvait clairement dire, ça me regarde pas, c'est vos affaires. Moi, je viens, je regarde si mon appart, il va bien et je pars, quoi. Mais non, encore une fois, la mentalité argentine, c'est pas la mentalité française, quoi. Ouais. Bref, du coup, en attendant, je me console avec des mamouchkas. J'ai presque tout fini, clairement, voilà. Bref, à tout à l'heure, s'il y a une évolution. On n'a pas trouvé de solution à San Martín de los Andes. Du coup, bah là, on va à Bariloche avec la route secours. Du coup, on roule un peu lentement à cause de ça pour faire attention. Et on espère trouver une solution, arriver là-bas. Ou sinon, bah déjà, il faudra payer, c'est sûr. Mais bref, oh, non, je vais fermer parce que les mouches et tout, là, c'est pas mon délire. Enfin bref, on se dit qu'on essaye. J'arrive plus à parler. On se dit qu'on essaiera de trouver une solution, arriver là-bas. Du coup, voilà, c'est là où on en est un peu. Donc, c'est parti. Je vous tiens au courant quand on a plus de nouvelles. Par contre, ma tête, ça devient une catastrophe. Genre, j'en peux plus de ma tête. J'en peux plus de ma tête, en fait. Là, mes cheveux et tout. Il y a un soin qui s'annonce important. On ne voit plus. Bref, il y a un soin là à faire. Du coup, on a réussi à trouver un moyen de réparer notre roue. Donc là, on est en train de la changer. Coucou les amis, je vous ai un peu lâché après parce qu'on était un peu dans le rush et tout. Du coup, là, c'est le dernier jour. Chacun repart. Eux, ils vont en volontariat à El Bolson. Et moi, je repars à Buenos Aires. Du coup, là, ma mission, parce que j'ai pas mon billet encore, c'est d'aller trouver une agence qui vend des billets où je peux payer en espèces. Et ensuite, comme je suis à Bariloche, je vais profiter pour aller au Cerro Campanario. Vous allez bien, de mon côté ça va très bien, je suis bien rentrée hier, j'ai pas filmé mon retour mais bref, je suis bien rentrée hier, là il doit être 16h bientôt, j'ai des choses à faire, donc là on touche à la fin du vlog Bariloche Villa Langostura, c'est la fin parce que je suis rentrée à la maison, donc là je vais aller vaquer à mes occupations, j'ai énormément de choses à faire, à commencer par mes ongles qui ont besoin d'une mise à jour parce que ça va plus comme vous pouvez le voir. Du coup, let's go. Et nous, on se retrouve une prochaine, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, à partager et à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bisous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.